Mille nuits d'excellence ont bâti mon pays. Mille nuits d'espérance ont forgé ma patrie. À travers le temps, sous le feu des vents, je marcherai pour te magnifier. L'aurore s'est levée, le coq a chanté, le jour est arrivé pour ta liberté. Bonsoir monsieur, je suis Moufana Ismaël de la 5e CAD, journaliste au SCMI. Quelles dispositions légales prenez-vous pour stopper ces gens de tout? Parce que nous avons vu des violences faites à une autorité policière avec une double voiture et un élève de la 3e 5e Fofana Aruna, pardon, qui payait les frais du délogement. Je pense que, en termes de sanctions, il faut d'abord déplorer le fait qu'à la suite des délogements, il y ait des victimes. Nous avons vu le policier qui a eu la jambe cassée. Et votre camarade élève qui est actuellement interné au Chili de Poubon, qui a eu le crâne fracassé par un jeu de pierre. Donc vous voyez que ce ne sont pas des actes assez intéressants, assez productifs. De manière réglementaire, la loi elle est claire. Le code pénal dit, dans son article 2, ici du livre 1, que une infraction est définie comme tout fait, action ou omission qui trouble ou est susceptible de troubler l'ordre ou la paix publique en portant atteinte aux droits légitimes des particuliers, soit des collectivités publiques ou privées, et qui, comme tel, est légalement sanctionné. Et donc, le fait de perturber une école, c'est une infraction. Et donc, on se met en confrontation avec la loi. Bonsoir, monsieur. Je suis Dano Amir Isias, élève en classe de 5e 4, journaliste au SCV. Monsieur, pourquoi au sein de notre lycée, il n'existe pas une brigade des mœurs au niveau des éducations? Par exemple, nous journalistes de ce lycée, quand nous voyons certains élèves dans les classes avec des chaussures ouvertes, communément appelées claquettes, etc., et aussi des cheveux non coiffés, au niveau même du vêtement, ils ne sont pas tout fourrés et même souvent très sales. Que fait l'administration? Je pense que l'administration fait beaucoup dans ce sens-là. L'administration a, sous l'impulsion du ministère, rédigé un règlement intérieur. Et ce règlement intérieur est contenu dans le carnet de correspondance. Il a été diffusé dans toutes les classes. Et ce règlement dit que l'élève doit être habillé correctement. Les garçons en complet kaki, un ton, c'est-à-dire une uniformité entre le haut, la chemise et le pantalon, avec une ceinture noire ou marron et une chaussure fermée. Patriote ivoirien, ta belle histoire s'écrira de gloire. Patriote ivoirien, ta détermination sera.